Ouais, du coup, on va se tenter du coup là, de tuer ces super mutants qui sont à l'usine d'eau. Putain, je veux trop ces pins en vrai. Merde, j'ai fait un retour Windows, super. Je vais juste voir si. Superviseur Green. Folie! Ce serait parfait. Tu as quoi me proposer du 45? T'as repris un peu de thune par contre, ça m'intéresse par contre, Star Wars. Ouais, de la thune. De toute façon, il n'y a pas de béton. Tant pis. Ah oui, d'accord, tu marches dans la texture, c'est normal. Ah putain, Homer, mais ça s'abusait là. Non, j'y arriverai pas, putain. Oh non, 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 non. J'ai vu, il me vise avec le lance-roquette. Ah putain, mais à chaque fois je me fais avoir. Ah, mais j'ai pas le temps de les viser. Ah, ça n'a pas été suffisant. Ah mais ouais, mais putain, il se décale dans la dans les
Dans les textures, ce trou du cul. Kamikaze, oula. Faire gaffe à celui-là, je pense, c'est mieux. Putain, mais il a carrément un nuke sur lui. Ok, il y en a un de mort, ça c'est cool. Faut que je fasse gaffe, il y a leur espèce de gros chien mutant aussi. Allez, mais crève pas, ce fils de pute. Putain, il y en a de tous les côtés. Ils sont combien, ces bâtards ? Putain, je le touche une balle sur trois. Oh putain. Là, c'est pas le moment de la putain de la pluie radioactive là, putain de merde. Putain, mais moi j'ai pas de chance hein, quand je joue à ce putain de jeu, hein. Sérieux. Sauf que je le vois même pas. Bah oui, forcément, je fais que dalle. Prend trop de rats dans ces putains de trucs là, c'est chiant. Je vois même pas où il est. Ah. Je pense qu'ils sont tous morts.
peux pas l'équiper. Ah bah mince. J'aurais bien voulu voir la tête que j'avais avec moi. À mon avis, il va y en avoir d'autres à l'intérieur. Carte mise à jour. Ah, du coup, ça fait charisme. J'ai un nouveau d'ailleurs. Perception, ouais, je vais le laisser en charisme du coup. Oh, j'ai une mitraille d'étranger aussi. C'est bon.
Non, c'était les lumières, on s'en fout. Pas l'ouvrir en fait ce truc là. Je vais aller beaucoup trop vite. Faudrait lui faire quoi du coup? Il n'y avait absolument rien à faire sur le tour finalement, à part le coffre. Oh, je l'avais pas vu, dis donc. Chaque fois, c'est à chaque fois, putain.
Sérieux, c'est une novice, elle est aussi dure que ça? Ok, l'intérêt de faire ça, je ne sais pas. Pourquoi genre je le sens pas du tout quand je appuie sur ce bouton? Ils savent quand même pas ouvrir les portes. Il y a une vitre là ou pas? Ouais. Ah bah oui, super, il a fallu que je tombe en l'eau. Ah ça va, c'est efficace contre leur carapace, ça au moins. Ces trucs. Ah, il y a des tourelles sous l'eau. Ok. Wouah!
Il y en a une en face aussi. Ils veulent vraiment pas qu'on s'approche de là. Hein. Quoi? Oh putain. Ouais. Putain encore. Il doit y avoir un endroit où je peux désactiver toutes les tourelles, je pense. Ah, par contre, tu remontes comment? Putain, ça. Du coup, effectivement, c'est vachement pratique de pouvoir nager sans prendre de radiation. J'en étais sûr. What? Oh, les enculés. J'ai pas compris là. Pourquoi j'ai perdu de la vie? Allez, baisse-toi! Putain, il va mourir avant même de pouvoir prendre le truc. Ah, ok, c'est reparti de là, donc ça va, c'est cool. D'accord, on peut déverrouiller des nouveaux trucs à construire. Je ne savais pas, d'accord. Commande des tourelles. Ouais. Il en reste 3. Ah bah j'arrivais par là, d'accord, ok.
Non! Bon, normalement, j'ai déverrouillé l'étoile, donc elle devrait pas me tirer dessus, j'espère. Bien que comme elle est rouge, je sais pas, j'ai un doute. Ça lui fait que dalle. Ah bah non, du coup celle-là elle m'aurait déjà tiré dessus donc. Ah, c'est le chien. C'est cool de pouvoir rester sous l'eau comme ça, putain. Ah, du coup je peux même me remettre de la vie. Ah, ah, ah. Dégage! Dégage! Par où je remonte, par où je remonte, par où je remonte. Évidemment, il y en a plein. Ah putain, ils sont nombreux, hein, ces bâtards. Mais du coup, ouais, en fait, je suis revenu dans la salle principale, d'accord. Je saute vachement haut là sur ce truc. Je vais devoir aller là-bas, je pense, du coup. Ah non, putain, elle me tire dessus quand même. Purée, je pensais qu'elle était désactivée quand même, toutes ces connasses. Ah, tu tires complètement à côté, mec.
Putain, j'ai utilisé toutes mes balles sur eux, c'est bon, déconne. T'es il est où? Ah, c'est chaud. Ça commence à être vraiment chaud. Ah bah oui, évidemment. Putain, j'ai fermé le truc au lieu de l'actionner. J'utilise toutes mes balles sur eux là, ça me fait chier. Ok.
Ah, t'es là mon chouchou, mon tutu. Ah oui, d'accord, on arrive par là. Ok. Normalement, je pourrais me TP direct. Absolument, madame. Un parfait gentleman en plus. Je dois absolument vous donner quelque chose. Tenez, prenez quelques-uns de nos produits. Je vais aussi dire à Grigny de vous faire une remise, si vous avez besoin d'autre chose. Sur ce, il faut que je me remette au travail. Ciao! Oui, et bah, vas-y. À Grey Garden, c'est le juste prix toute l'année. Vous voulez faire des affaires? Ouais, d'accord. Ah, il a de nouveau du béton, du coup. Faudrait que je teste pour voir ce qu'il donne celui-là. Je vais leur revendre les melons qu'ils m'ont filé. Fruits mutants. Oh, me dis pas que c'est une pluie de radiation qui se ramène là. Diamond City, je suis pas loin, je crois. Ah non, quoi que c'est. Si, on reste un peu de route. Du coup, si je pouvais aller à la boîte, ça serait pas mal. Le problème, c'est que cette pluie me fait un peu peur. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà, super, c'est encore bugué.
Ah ouais, du coup, ça y est. Ok. Ah, du coup, je peux récupérer les trucs qui sont là. Pas récupérer grand chose, mais... Ah, s'il y a du parpaing quoi. Je prends pas de rade, mais le bateau est bien irradié, donc ouais. Ça va être ça normalement, Diamond City, je pense. Comment tu veux pour monter là-haut? Oh, c'est quoi ce truc? Ah, oh, une machette. Bandana bleue. Ouais, 7, c'est pas mal ça. Ça vaut le coup. Mais il n'y a rien d'autre à part ça là. Il ferait presque peur ce truc là.
Oh d'accord, super. Demon City, c'est en face. Ah, tu peux pas m'avoir là, hein? Tu vas dans le cul, hein? Pas lancer une grenade, non, c'est bâtard. Il est à mon niveau? Il est où? Ah, ça y est, je le vois. Oh putain! Je peux plus recharger après ça.
J'espère que... Oula, une tourelle là. Ça y est. Oh! Le premier coup. Après, elle a pas l'air de vouloir tirer dessus, donc... Salut. Merde alors. Vous avez pas peur des mutants, hein? Vous me plaisez. A-bot. Salut. Vous avez un minimum de bougeot. Ne touchez pas à la première. Hey, venez vous équiper en arme à feu en tout genre. Pourquoi je ne sais pas quel bruit qui fait boum. Ça fait tous. D'accord, voyons ça. Comme ça doit être jouissif de tenir ça en main. Wow! Putain, attends! Elle a l'air trop excellente! Par contre, 2900, putain! Mais j'avoue qu'elle a l'air de péter quand même! Fusil de précision. Ouais. Dégâts 37. Ça y est, on arrive sur des armes qui ont l'air d'être classe, quoi. Attends, en fait, je vais la prendre. Hop. Là, du coup, je lui donne 2980. Tenue. On va voir si je peux prendre en plus les cellules à fusion. Ah oui, d'ailleurs, fusil de précision. De dégâts. Ah, il est mûr, le mien. Ok.
lui dois encore trop de thunes. C'est un truc de malade. J'ai revendu mes munitions de 45. Je pourrais pas la tester. Je verrai, de toute façon, je pense que je trouverai d'autres munitions pas loin. C'est bon. Bon, après, j'ai pas besoin de verrouiller l'étoile, on s'en fout. J'imagine qu'il faut passer par là. Vous, là. Vous voulez entrer à Diamond City, pas vrai? Quoi? Qui êtes-vous? Je fais le jeu, d'accord. Comment? Vous dites que vous apportez des marchandises de Quincy? Et que vous en avez assez pour approvisionner le magasin pendant un bon mois? Alors? Vous avez entendu ça, Danny? Alors, vous nous laissez entrer, ou vous vous chargez d'annoncer à cette folle de Myrna que c'est de votre faute si elle a pas toutes bon, ses provisions. D'accord. C'était vraiment un coup bas, Piper. Laissez-moi une petite minute. Entrons vite, avant que ce bon vieux Danny ne comprenne que c'était du bluff. Ça me va. Allons-y. Encore une belle journée à Diamond City. De garder la porte fermée. Espèce de petite poubelle. Le degré de malheureux. Monsieur McDonough. Un instant. Pourquoi ne pas demander à cette personne qui vient tout juste d'arriver? Vous êtes pour ou contre la liberté d'expression? Parce que notre mère souhaite l'acheter à la poubelle. De quel journal est-ce que vous parlez? Du mien, Public Occurrences. Nous exposons la vérité sans la moindre concession. Alors, vous êtes avec nous ou contre nous? J'ai toujours défendu la liberté de la presse. Oh, je ne tenais pas à vous entraîner dans cette dispute
mon monsieur. Non, non, non. Vous avez l'air d'avoir tout à fait votre place à Diamond City, vous. Bienvenue dans le beau diamant vert du Commonwealth. Une ville sûre et heureuse. Un choix excellent si vous comptez vous y installer ou même si vous avez juste de l'argent à dépenser. Ne laissez surtout pas cette petite fouille merde vous mettre ses idées tordues en tête. Pourquoi vous vous prenez le bec tous les deux? À votre avis. Si le journal ment, tout le monde est content, mais dès qu'il commence à dire la vérité... Vous venez dans notre belle ville pour une raison bien précise? Je cherche juste quelque chose. Ah bon? Et quoi donc? Mon fils, Sean. Il n'a même pas un an. Attendez. Votre fils a disparu? Oh, vous entendez ça, McDonough? Qu'est-ce que la sécurité de Diamond City va faire pour aider cet homme? C'est pas la première fois qu'on vous signale un enlèvement, sauf que là, c'est un bébé qui a été kidnappé. Ne l'écoutez pas. Évidemment, nos équipes de sécurité sont dans l'incapacité d'enquêter sur la totalité des affaires qui leur sont soumises. Mais je ne doute pas que vous trouverez de l'aide en nous. Diamond City offre tous les services possibles et imaginables. Nul doute qu'un de nos excellents concitoyens trouvera le temps de vous aider. Le maire d'une ville comme celle-ci doit connaître tout le monde. Qui serait le plus à même de m'aider? Je regrette de ne pas avoir le temps de répondre à d'autres questions, mais je suis un homme très pris. Je vous souhaite un excellent séjour dans notre belle ville. C'est ridicule! La sécurité de Diamond City ne peut même pas envoyer quelqu'un pour aider. Je veux la vérité, McDonough. Pourquoi est-ce que la sécurité ne s'intéresse J'en jamais à J'en ai plus qu'assez, Piper. Dernier avertissement. Continuez comme ça et vous aurez des ennuis. Continuez de parler, McDonough. Vous n'êtes bon qu'à ça, de toute façon. Un accueil typique de Diamond City de la part de notre mère. Quel honneur, hein? Écoutez, j'ai besoin d'un peu de temps pour me poser, mais passez à mon bureau tout à l'heure. J'ai une idée d'article concernant, ce sera parfait. Vous êtes Sullivan, c'est bien ça? Alors, c'est vous qui apportiez des marchandises, à en croire Piper? Quelque chose me dit qu'elle m'a encore enfumé, pas vrai? Je n'avais pas l'intention de vous mentir, mais tout est allé si vite. Bah, vous n'êtes pas le premier type à se retrouver soudain dans le pétrin à cause de Piper. Merci de votre honnêteté. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous aurais fait entrer sans le moindre problème. Elle est vous, mais c'est le maire qui commande. Et comme vous avez pu le voir, il s'énerve facilement. Bah, au fait, qu'est-ce qui vous amène? Ce sera un bon point pour moi si je le note sur le registre. J'essaye de retrouver quelqu'un. Ah bon? Qui donc? Mon fils a été kidnappé. Il s'appelle Sean. Ce n'est qu'un bébé. Non, je suis vraiment désolé. Mais on a ordre de pas se mêler des histoires de disparition. Il y a beaucoup de paranoïa en ce moment à cause de l'Institut. Et une action officielle risquerait d'envenimer la situation. Vous imaginez si les gens se mettaient à paniquer? L'Institut? J'aurais pas dû dire ça. C'est juste un bouc émissaire, d'accord? Quelque chose que les gens voient responsable de tout leur monde. Ils voulaient tout savoir. Un journal en ville qui n'arrête pas d'en parler. Public occurrence. Dans ce cas, je vais aller demander ailleurs. Ne vous découragez pas. Il y a peut-être quelqu'un qui pourra vous aider. Danny. Je peux pas vous parler. Discute trop, ça finira par gâcher mon image de flic dur à cuire. Faut que je surveille la porte. Ah, mais en fait, ils sont dans un stade, en fait. Ça fait des semaines que tu me répètes, mais cette vieille mémère continue de tourner. Arrête un peu de fatiguer. Bon, faut que j'aille au bureau. Quelle chose!
journal nous organise de sacrés spectacles, non? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, les gens d'ici sont déjà terrorisés par l'Institut. Mais ça n'empêche pas le journal d'en parler chaque fois qu'il en a l'occasion. Enfin, ne vous en préoccupez pas trop. La vie reste bien plus sûre ici que dans le reste du Commonwealth. L'Institut? Qu'est-ce que c'est? Vous avez déjà entendu parler du Croque-Mitaine? Le méchant homme qui enlève des gens dans la nuit? Eh bien, c'est ça, l'Institut. Mais il fait partie de la vie des gens, par ici. Certains se font enlever par l'Institut, d'autres se font tuer par les pillards. Lequel est le pire? Au moins, entre ces murs, nous n'avons pas à craindre les pillards. Alors, qu'est-ce qui vous amène au beau diamant vert? Mes raisons ne regardent que moi. Je ne voulais pas. Le journal est gratuit pour les étrangers. Comme ça, si l'Institut vous enlève dans la nuit, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. L'Institut? Vous n'avez jamais entendu parler de l'Institut, monsieur? Il enlève les gens la nuit et on n'en entend plus jamais parler. Il est dans le journal. Vous feriez bien de le lire avant qu'il vous choque, vous aussi. Qui a disparu? Des vagabonds, des habitants de la ville. Même des snobs des gradins. Quelqu'un disparaît presque chaque année. Et on sait tous pourquoi. Alors vous avez intérêt à faire gaffe. L'Institut est parmi nous et il finira par vous avoir vous aussi. Je vous l'ai dit, c'est dans le journal. Je te crois. Merci. Vous faites vraiment penser à un agneau égaré dans l'antre du loup. Alors, qu'est-ce que vous faites à Diamond City au juste? J'espère juste trouver quelque chose ici. Comme tous les récupérateurs du Commonwealth, quoi. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Je cherche Sean, mon fils. Il a moins d'1 an. Vous avez un fils, monsieur? Eh ben, vous êtes plus vieux que je croyais. Alors là, vous avez pas de bol. Personne fait jamais rien pour retrouver les gens disparus à Diamond City. Parce que quand quelqu'un se volatilise, ça veut dire que l'Institut est dans le coup. Et bien sûr, personne n'a envie d'attirer l'attention de l'Institut. Tu m'as l'air maline. Tu ne connais pas quelqu'un en ville qui n'a pas peur de l'Institut? Il y a bien le détective, monsieur Nick Valentine. Il a peur de rien. Nick Valentine. C'est le seul sur qui vous pouvez compter. Merci. Tu m'as été d'une grande aide. N'oubliez pas que l'Institut est parmi nous. Surveillez vos arrières. Il a l'air d'avoir tellement de trucs à voir et tout, putain, je peux pas recommencer. Il a besoin d'une bonne coupe de cheveux. Tout le monde, ne soyez pas timide, approchez. Vous là, aidez mon crétin de fils à comprendre. La secrétaire de McDonough, c'est une synthétique. Par ici, on appelle votre coupe de cheveux la spéciale récup. Avec quelques petites taches de sang, ça vous donne une petite touche personnelle. Vous devriez penser à vous les faire couper. Quelles sont mes options? C'est vous qui voyez, je fais la barbe, les cheveux longs ou courts, les tresses, les couleurs. Tenez, ce sera plus simple si je vous montre. Et j'ai justement un fauteuil de lit. Pas aujourd'hui, monsieur. Plus tard alors. Il paraît qu'il y a un bar réservé aux pires dans le quartier du théâtre. La fosse. On approche la fosse. Maintenant, Commonwealth Weaponry, nous sommes là pour garantir votre protection. Vous là, vous avez besoin d'une authentique cogneuse en noyer taillée sur mesure. C'est quoi une cogneuse? Vous débutez, hein? Les cogneuses, c'est une tradition de Diamond City. Voyez-vous, avant, c'était un gigantesque stade ici. Et deux équipes s'y affrontaient pour jouer à un jeu qu'on appelait le baseball. Les joueurs tapaient sur la tronche des mecs d'en face avec des objets qu'on appelait des battes de baseball. Et les meilleurs étaient des cogneuses. Véridique. Ça a l'air marrant. Pour sûr que ça l'était. Ça vous dirait de repartir avec un petit souvenir? Votre cogneuse, rien qu'à vous? Ce serait super, non? D'accord.
Je vais jeter un coup d'œil. Les articles authentiques. Cargaison de Liège. Le nouveau. Que voulez-vous que je vous dise? Les nouvelles vont vite à Diamond City. Je m'appelle Arturo Rodriguez. Si vous avez besoin de protection, on peut en parler. D'accord. Je vais jeter un coup d'œil. N'hésitez pas à les prendre en main pour voir si leur poignet vous convient. Oh putain. Oh, wow, ok. Ça c'est pas mal, bon gars. Tire un projectile supplémentaire. Vieux fidèle. What? Canne barbelée. Piou. Fusil de précision baïonnette. Putain, mais ouais, voilà. Il y a des armes trop bien. Mais je pense que il va falloir que je fasse du aller-retour entre ma planque qui est ici pour vendre toutes les armes que je veux plus. Épée d'officier chinois, 25. Vingt-deux la machette. Moyenne d'attaque, de toute façon. Châssis d'armure assisté. Ah, valeur 5500, putain. Vous, je vous connais pas. Gardez vos distances. Gardez votre calme. Je ne bouge pas. C'est exactement ce que dirait un synthétique. Mais... je sais pas. Êtes-vous vraiment un être humain? Ça ne fait aucun doute. Bon, je veux bien vous croire, mais je vous ai à l'œil. Et croyez-moi, j'ai des yeux de... Comme t'as joué, hein. Je veux rien ne m'échappe, compris? D'accord, on peut faire affaire. Mais pas de coups fourrés, je vous préviens. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. N'allez surtout pas dire qu'il s'agit de bric-à-brac sans valeur.
Un truc que je trouverais bien, bien dans la nature, comme on dit. C'est qui me parle. C'est le scientifique. Excusez-moi. Si vous avez besoin d'une prescription, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai quelques minutes pour jeter un œil. J'ai ce qu'il vous faut. Ouais, bon, ça va être intéressant. Docteur ? Ne traînons pas. Si vous voulez que je vous examine, commençons tout de suite. Reconstruction faciale. Il faudrait de quoi me soigner, en fait. Voyons ce que je peux vous donner. Gardez cette sale bête à l'œil, compris ? Gare à vous si j'apprends que quelqu'un s'est fait mort. Oh, tu vas te calmer ta tête, toi, je te le dis. Et vendons tout, à tout le monde, sauf aux synthétiques, ils ne sont pas tolérés ici. Répétez après moi. Cognez. Il n'a pas sa cognez. Ah bah, le détective, il est là, ok. Chaque goutte d'eau qui sort de ce filtre est pure à 100%. Pourquoi faut toujours que l'administration harcèle les hommes d'affaires honnêtes comme moi? C'est un risque pour la santé, chef. Dites plutôt que c'est un risque pour les profits, ouais. C'est moi qui m'occupe de l'eau, et je suis tout à fait capable de le faire sans que vous vous en mêliez. Merci bien. Salut. Salut, je vends de l'eau purifiée. Vous en trouverez pas de cette qualité dans le Commonwealth. City Point, ce village sur la côte, il a été totalement... Tout seul ici? Eh ouais. Je vis tout seul depuis que j'ai 8 ans. Il n'y a pas plus indépendant que moi. J'ai un endroit où crécher, je vais au cours du soir, la totale. Et si je vous offrais une bouteille d'eau? J'ai quelques minutes pour jeter un œil. Faites votre choix. Il a bon 55 balles quand même. Cheng. J'ai de l'eau pure juste ici. Je peux faire quelque chose pour vous? Ah, quelqu'un de serviable. Ça vous tente de m'aider à nettoyer le réservoir d'eau? Vous imaginez pas toutes les saloperies que les gens balancent là-dedans. Les filtres n'arrivent pas à suivre.
Compris. Essayez de pas vous noyer, ok? J'arriverai jamais à sortir votre carcasse de là. Ah d'accord, ok, faudra juste ramasser les trucs qui traînent au fond de l'eau. Salut, Sheng. C'est sympa d'avoir nettoyé le réservoir d'eau. C'est bon pour ma petite affaire. Alors, qu'est-ce que je peux vous offrir ? Sheng ? Pourquoi est-ce qu'il y avait un crâne dans l'eau ? Ben, peut-être que j'ai demandé de l'aide à quelqu'un d'autre avant vous. Et peut-être que ce type a trouvé une grenade mal goupillée. Une fois que les filtres marcheront à nouveau, il y a comme qui dirait de l'eau qui coulera sous les ponts, pas vrai ? Et sinon, vous avez besoin d'eau ? Je n'ai pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. Bonne chance pour en trouver ailleurs. Chose ne va pas. Encore une âme perdue qui a besoin d'aide. Désolée, vous arrivez trop tard. Le bureau est fermé. Je sais que vous devez être très occupé, mais je ne prendrai pas trop de votre temps. C'est important. Vous avez raison, je suis désolée. Je ne voulais pas me montrer mal poli. C'est le détective. Il a disparu. Ne vous inquiétez pas, je peux vous aider. Dites-moi ce qui s'est passé. Nick travaillait sur une affaire. Le gang de Malone, le chétif, avait kidnappé une jeune femme, et Nick a suivi leurs traces jusqu'à leur planque dans la station Park Street. Il y a un vieil abri là-bas qui leur sert de base. J'ai dit à Nick que c'était un piège, mais il s'est contenté de partir en souriant, comme d'habitude. Qui c'est, ce Malone, le chétif ? Je ne sais pas grand-chose de lui, mais il est de Good Neighbor. Ça veut dire que son type d'activité criminelle, c'est le genre costard sur mesure et mitraillette. Vous dites que Malone est de Good Neighbor ? Oui, c'est un quartier dangereux au nord-est d'ici. Les individus puissants qui y habitent ne s'intéressent qu'à deux choses : leur style et le nombre de cadavres qu'ils amassent. Je n'ai pas l'intention de me mêler de cette affaire. Vous n'êtes pas du genre à prendre des risques inconsidérés, hein ? Difficile de vous en vouloir. C'est pas comme si je pouvais partir à la recherche de Nick sans me faire tuer. Écoutez, je dois finir de remballer. Partez, vous voulez bien ? Mademoiselle ? Je vais le retrouver. Je vous le promets. Merci. Nick devrait être facile à reconnaître. Il porte toujours son trench et son vieux chapeau. Faites vite, je vous en prie. Thank you.
rien à voir. Bouge pas, synthétique. Qu'est-ce que t'as fait du vrai Riley? Où est mon frère? Je te jure que je suis pas un synthétique. Ne tire pas. On est de la même famille, merde. Posez cette arme tout de suite. C'est un synthétique. Il va tous nous tuer. Kyle, non. Wow. Bon, le spectacle est terminé. Il n'y a aucun synthétique à Diamond City, vous m'entendez? Vous êtes tous parano. Hey. Il a menacé de son arme. Mon propre frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas un synthétique. Je lui ai dit. Je n'ai pas arrêté de lui dire. Pourquoi il ne m'a pas écouté? J'ai besoin de... Officier? Circulez! Pardon. Pourquoi vous restez porté là? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Vous voulez resplendir comme jamais? J'arrive pas à croire que tu me fais cette merde. Le seul truc qui est pas trop dégueu à l'auberge de l'abri, c'est l'alcool. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut bien manger. Les mecs de Diamond City, ils mangent au stand de nouilles. Oh, c'est vous. Vous avez bien fait de passer à la chapelle. Ça va, vous tenez le coup. Je ne cherche pas à me faire des amis. Merde. J'ignore quelle a été votre n'importe quoi, j'ai biglé sur la... Dans cette ville, les gens sur la réponse. Mon père. Oh, c'est vous. Vous avez bien fait de passer à la chapelle. Ça va, vous tenez le coup. Je vais bien. Merci de vous en inquiéter. De rien. J'espère que les gens sont aimables avec vous. Je sais que ce n'est pas toujours facile quand on vient de l'extérieur. Si vous cherchez un endroit calme où vous asseoir pour réfléchir à tout ce qui a trait au Tout-Puissant, quel que soit le nom ou l'aspect que vous lui donniez, nous sommes toujours ouverts. Merci, mon père. Vous êtes ici, chez vous. Vous devriez plutôt vous adresser au pasteur. Salut. J'ai des tas de quartiers de Bramine sur mes crochets. Voyons ce que vous avez. Regardez-moi ces morceaux. D'arriver, hein. Si vous voulez une leçon d'histoire, allez voir à votre. Vous ne lisez pas le journal. Ces foutus synthétiques sont cachés par les mots.
je traverse, ok? Armé de mon sourire. Et voilà que jaillit plus dangereux de tous les monstres marins. Un fangeux. Un fangeux? Attends, tu rigoles. Ça vaut limite 2 sur 10 à l'échelle de danger. Une boule. Pardon. Je peux être très t'avais oublié, il y a fait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Je vous connais? Non. Pour moi, j'en prends quelque chose. J'ai toujours besoin de gens qui ne m'occupent pas face au danger. C'est quoi le boulot? Je ne sais pas encore. Mon patron veut vous voir en personne avant de vous avoir ici. Une chose est sûre, ce sera dangereux. Et vous toucherez une prime en conséquence. Danger, c'est mon deuxième prénom. Où est-ce qu'on signe? Je salue votre enthousiasme. Au fait, je m'appelle Edward Digan. Vous aurez principalement affaire à moi. Mais mon patron veut vous parler. Il s'appelle Jack Cabot. C'est quelqu'un de très prudent. Il tient toujours à rencontrer personnellement les nouveaux que j'engage. Venez à Cabot House, à Beacon Hill, et demandez Jack. Je vais le prévenir de votre arrivée imminente. Vous voyez ce pas? J'ai tué un homme pour la voile. Non, c'est blague. Mais il est mort, c'est vrai. Bref, dites à Vadim quand vous voudrez voir. D'accord, je vais jeter un coup d'œil. Ça fait plaisir à entendre. Vous fatiguez pas. Je n'ai rien vu, rien entendu. Achetez ou vendez ce que vous voulez et fichez. Salut. Vous pouvez commander à... Mademoiselle. Si vous avez faim, on vend à manger. Mais les gens viennent surtout ici pour boire. C'est qui le propriétaire de ce bar? Les frères Bobrov se sont installés ici il y a quelques années. Vadim Bobrov, c'est le bruyant. Les filles Bobrov, c'est le calme. Et moi, je dois les écouter s'engueuler à longueur de journée. D'accord. Voyons ça. Tout est préparé et distillé ici. Je ne sais pas ce que vous demandez, mais laissez-moi. Bien, du monde. Il vous faut une chambre? Peut-être plus tard. D'accord. Ne touchez pas à la peinture. Ne vous inquiétez pas, je n'y toucherai pas. Bien. Le mur nous protège de ceux qui nous voudraient du mal. Alors je vous remercie de ne pas y toucher. Je crois qu'un peu de travaux d'intérêt général vous ferait le plus grand bien pour combler vos lacunes. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Vous voyez cette peinture que j'utilise? Il ne reste qu'un seul endroit dans tout le Commonwealth où on peut en trouver. Hardwareton. Un magasin en ruine pas loin d'ici, à l'ouest. Rapportez-moi un pot, et je vous donnerai 100 capsules. Ça vous va?
Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Hardware Town? Des pillards se sont installés là-bas, il y a quelque temps. Et nos gardes disent qu'ils sont trop forts pour eux. C'est pour ça que je commence à être à court. Alors, ça vous tente toujours? Il vous faut juste de la peinture. Ça marche. C'est bien aimable. Salut. Travis. Cette station de radio, c'est... Ça, je l'ai trouvé. Il y en a pas vraiment d'autres? Bon. D'habitude, en général, je vois jamais, mais... Bon. C'est pour ça. Salut, Travis. Salut. Je veux dire bonjour. Re-bonjour. Salut. Attention. Ne cassez pas le matériel. S'il vous plaît. Quoi. Allez, je vais arrêter devant.